Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer, regardez ça, une PlayStation 5, juste ici, regardez ça. C'est celle de la dernière fois, c'est celle qu'on avait fait, c'est celle qui avait un problème d'alimentation. Et donc aujourd'hui, on va venir tout simplement lui remplacer son alim. Elle est là. Et c'est normalement tout ce qu'on va faire sur celle-ci. Mais d'abord, on va tester l'alim, parce que c'est une alim qui nous vient d'AliExpress. Et il faut qu'on s'assure qu'elle fonctionne bien. Et donc qu'elle délivre bien ses 12 volts annoncés. On va venir unboxer tout ça. Hop. Tac. Oh. C'était bien emballé en vrai. Hein. C'était bien emballé, c'est arrivé plutôt vite. Je sais pas si c'est une. Ah, je suis presque sûr que c'est. C'est une vraie. Je suis presque sûr que c'est une vraie dans le sens où. Ouais, elle a déjà été utilisée celle-là. Et ça, c'est mieux. Moi, je préfère. Elle a déjà été utilisée, je pense. Ah, quoique je suis pas sûr, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que c'est inofficiel. Et pour voir si. Ouais, c'est ce qu'on va faire, on va tester les 12 volts. C'est Virtual Labs. Ça serait une reconditionnée peut-être, et en vrai ça m'arrange. Je préfère une reconditionnée qu'une fausse avec des composants à la con. Au moins, on sait qu'on est sur normalement une valeur plus ou moins sûre. Alors, il me faut un câble de l'alimentation. Où est-ce que j'ai rangé tout ça? Et c'est de toute beauté, tout à fait. Hop, un petit câble juste ici. Impeccable. Ah. Hop. C'est pas une 110, hein. Normalement, non, c'est pas une 110. Normalement, de toute façon, les consoles d'aujourd'hui, elles prennent les deux. Tu n'as pas de passant paramétrique. Non, c'est juste du Vega. Ok, branché. Bon, est-ce qu'on va passer dans le Popcorn ce matin? Mettre en autofocus, parce que de toute façon, vous allez voir que flou sinon. Salut mon bon bar, comment il va? Je me mets en voltmètre. Donc là, j'ai absolument rien. J'envoie du courant. On a bien 12 volts. 12 volts tout pile. C'est pas mal. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de moins. Bien sûr. J'éteins. Ça se décharge tout seul comme un grand. Impeccable. Ok. Et eh ben on va la tester dans la console maintenant. Et oui, le multimètre, hein, bien sûr. Hein. Multimètre est de sortie. 220 volts sur la PS5. Il n'y a aucun interrupteur 220 volts. Non, il n'y a pas d'interrupteur dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles un interrupteur 220 volts? Qui coupe le secteur de la. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas d'interrupteur sur la PS5. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut que je prenne? Non, on va prendre ça, tiens. Alors, comment qu'on l'ouvre déjà cette bête? Je comprends pourquoi il y a autant d'allumettes chez ça. Ouais, tu penses que c'est lié? Je sais plus comment ça s'enlève. Je sais plus comment ça se débranche.
sais plus. On va essayer de l'autre côté en prums. Combien tu l'as eu? Je l'ai eu pour 80 balles. La nouvelle année. Je pense que c'est plus par là parce que je me souviens jamais. Voilà. Ça, c'est cool. Ok, ça c'est cool aussi. Impeccable. On a bien notre PS5 d'ouverte. Et là, on va avoir à peu près les 15 000 vis à enlever. Parce que toujours, toujours un plaisir de se faire chier à enlever 12 000 vis. Hop. Il faut que je sorte mon ça. Donc en silicone, sinon j'y arriverai pas. Il est où le sticker? Il est là normalement. Il est là normalement. Et on y va. Je crois que j'ai encore pas pris le bon embout. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de mal. Voilà, il y a beaucoup de vis, hein. Il y a beaucoup de vis. On va essayer de les enlever. Et salut à ceux qui arrivent. Là, on va essayer d'enlever toutes les vis sans tout péter. Celle-ci n'est pas obligatoire, je la remets. Tac. Ok, on va enlever ça.
Ça, ok. Et certaines, elles viennent bien, et certaines, elles viennent pas bien. On commence à la connaître au final maintenant, la PS5, étant donné que c'est la deuxième. Enfin, c'est la troisième fois qu'on en démonte une. Mais c'est pas les mêmes à chaque fois. Je voulais y aller avec les doigts. Le ventilo. Il me semble qu'on l'avait lavé en plus, hein. On l'avait déjà nettoyé, hein. Là, il y a vraiment que la lime à remplacer, hein. Il y a elle ici. Juste là. J'ai sur les mains avec les cookies Carrie. Merci Jojo, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est un très très bon moyen de me soutenir, hein, sachez-le. Hein. Vraiment d'utiliser Neba, c'est vraiment un de mes meilleurs soutiens. Hein. Donc merci beaucoup. Hein. Si on a qu'on vraiment des petits, juste des petits achats à faire, hein. C'est vraiment pas grand-chose. J'ai hâte de l'avoir fonctionné. Eh ben, moi aussi. J'avoue que moi aussi. Normalement, j'avais remis la coque de la. De la. L'alimentation. Ok. Donc ça, il faut les enlever. On enlève ça. Et normalement, il y en a une autre ici, voire deux. Ok. On enlève ça ici. Et normalement, il y a toute la partie supérieure. C'est le Tigibus qui vient avec. Tac, comme ceci. Ok. Donc là, toute la partie carte mère, on l'enlève. On la pose sur le côté. On prend ça. Bon, je sais pas si c'est une vraie, hein. En vrai. Regardez toutes les inscriptions que j'ai là. Et regardez le peu d'inscriptions que j'ai là. Pense pas que ce soit la vraie. Bon, elle marche. Au moins, elle marche. Là, c'est la carte mère qu'il faut mettre.
Alors sachez que la console sera en vente dans la foulée, hein. Là, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'abonnements. Bah, vous avez cassé vos PEL. Vraiment, les gens qui ont reçu leur abonnement, liez votre compte à Discord et vous serez notifié en avant-première et vous aurez la possibilité de la réserver en avance. Mais c'est premier arrivé, premier servi, hein. Bon, après, je dis ça, je trouve que ça va intéresser personne, mais... Hein. Et voilà. Je pense que le fil d'antenne n'allait pas comme ça. Pas pour le message personnellement, j'en ai pas besoin. J'espère que l'ampérage est good aussi, pour la raison. Normalement, je compte la mettre à 480 avec une manette et le jeu. Un des jeux que j'ai là, un jeu de sport. Toute façon, j'arrive pas à le vendre. Les jeux de sport, ça change tous les ans. Donc, dans tous les cas, autant qu'ils partent avec la console. Bah, j'essaye. J'essaye d'être honnête. Ça va, j'achète. Bien sûr, ce sera en vente sur Eneba, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Ton Excel partenaire, ça fait une vente en plus. Avec le lien, tout ça, tout ça. Vraiment. Ils soutiennent, on soutient. L'antenne qui va là, l'autre antenne qui va là. Non, liquide métal, je n'y touche pas. J'ai pas envie de prendre de risques bêtes, même si maintenant je sais le faire assez facilement. Le liquide métal, je laisse. Pas de raison de toute façon qu'il ait besoin d'être changé maintenant, en fait. Le métal, enfin, il a pas un an. Donc, on va pas le remplacer. C'est pas une console qui a subi de chute ou quoi, donc. Moins cher de partout même. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi que ça sera la moins chère. Tu l'as reçu vite. Ouais, j'ai reçu vite, hein, ouais. Bon, alors, si ça se passe comme ça. Tac, tac, tac. Remettons aux enchères avec un prix plancher. J'ai pas envie, il n'y a pas d'enchères sur Eneba. Il y a une double, bien sûr. Cinq en panne. Il y a des maladies entre guillemets qui ressortent déjà. Le port HDMI. Donc c'est l'humain qui rentre en cause. C'est déjà pas mal. Là, nous, on a eu la lime. La lime, quand tu regardes sur Internet, je suis pas le seul. Elle lâche assez souvent. Donc, ouais. On va remettre le lecteur. C'est mieux. La petite nappe qui va bien. SAV Sony ne le prend pas en charge. Là, potentiellement, le SAV, il le prenait en charge, mais la personne ne s'en est pas chargée, n'a pas voulu faire comme ça, et a préféré la vendre. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai envie de dire, tant mieux pour moi.
On va remettre les vis. Et pour nous, Vectro, c'est vrai que ça vous propose un beau contenu, c'est stylé. En vrai, c'est plutôt stylé. Une petite PS5 quand même. On est sur un beau content. Ces consoles, difficile à battre. On est d'accord, hein, la fripouille, franchement. Tu mets Microsoft à côté, franchement, c'est 10-0. Hein. C'est 10-0. Hein. Microsoft, c'est quand même bien mieux. Hein. Ils savent faire des consoles. Hein. Sony, pourtant, ils étaient là avant. Hein. Alors, est-ce que c'est 7 vis là? Et en plus de ça, t'as 12 000 vis différentes. Parce que pourquoi ne pas faire chier les gens qui vont s'occuper de cette console? Ça, c'est des vis métal ici. Ok. Vous avez vu que j'ai confiance, hein. Je remonte toutes les vis. Putain, je parle pas, quoi. Je remonte toutes les vis alors que on l'a pas encore totalement testé. C'est Apollo, ça? C'est les deux vis au dos en métal. Tu vois pas là, toi? Si tu vois là. Voilà. Normalement, on a deux vis au dos. Okay. C'est l'histoire du SAE, propriétaire, si tu achètes beaucoup de jeux, des maths sur la console, t'as un système de fidélité, et en gros, si tu es et au plus haut du système de fidélité, t'es prioritaire sur les autres qui achètent des jeux en physique et tout. Quelle honte, j'ai envie de dégager Sony, c'est de la merde gargantuesque. Oui. Oui, c'est de la merde. Je suis d'accord. C'est complètement fini. Ah ouais, les séries X, on peut en acheter à l'appel si on veut, là? Après, demain, vous voulez acheter une console, moi je vous conseille quand même la série X. Hein. Après, c'est peut-être parce que je suis Team Xbox aussi. Ok. Et bah, on va croiser les doigts pour que cette alimentation fonctionne bien. Même si tout à l'heure on a vu qu'elle fonctionnait bien et que j'ai oublié de remettre cette grille-là.
c'est elle qui est là. Et la personne avait été sympa, hein, c'est qu'elle m'avait dit oui, si la console refonctionne, après, il va falloir, je peux vous laisser mon compte et tout, genre vraiment sympa, genre en mode, ouais, si tu veux, je te laisse mon compte avec les jeux qui sont dessus et tout, mode bon, gentil, c'est gentil. Ok, moment de vérité, pas de prédiction, hein. Là, je vous avoue. Pour des écrans de DS Lite, compliqué les écrans de DS Lite. Ah, ça va encore bugger en plus là-dessus, ça c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Ces boîtiers-là, ils sont bien, mais. Ils aiment pas trop l'HDMI. Hop, ça, on va le poser de côté. Ça aussi, on prend une manette. Alors, c'est maintenant. Je sais pas si elle détecte encore la manette. Elle détecte encore la manette. Ça s'allume. On a une sortie. Ok. C'est vrai que la manette elle est agréable hein, quand même. Hein. Allez, merci pour les GG, c'est gentil. Avec une manette vue sur Rakuten VS700 pour une PS5, une manette vue sur Eneba, ça fait un argument de plus pour la Xbox. Ah bah oui, totalement. Dans quel sens il faut le mettre déjà? Je crois que c'est comme ça, parce que quand elle est à plat, elle est comme ça, je crois. On va la laisser copier. Oh les bâtards, 40 gigas. Oh là là là. Wow. Le temps de s'étirer les jambes avec elle. Bon, en tout cas, c'est cool, hein. T'as pas un autre jeu d'installer? Ah si, peut-être, t'as raison. Les autres, c'est du démat, non? Genre, y'a pas The Last of Us. Ah, bah, il y a ça, Astro Playroom. Vas-y, on va mettre The Last of Us. Très stylé, de meilleure installation, je sais pas. Je suis d'accord, je trouve que c'est stylé. Avec une connexion RTC. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que c'est? What? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. The Art of. Oh merde, c'est pas le. C'est pas le vrai truc. L'Art de The Last of Us part 2. Est-ce que je m'en bats les couilles? La réponse sur mon visage. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bah. Astro Playroom. C'est pas un jeu, il faut lire. Bah nul alors.
Vous êtes hors ligne, mais bouffe-moi le bout, putain. Et c'est dingue, ça. Bravo, la nouvelle technologie. Je suppose que ça va être pareil pour tout le reste. Minecraft, nanana. Ça. C'est trop ami dans ce jeu de tir, coopération. Coopératif en évolution. Curse of Dead God, non? Oh là 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 là, vas-y, Call of, il y a bien un solo là, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de solo. Ah, vive la next gen, hein. Je vous le dis, hein. Vas-y, campagne. Nouvelle partie, recrue. Lance-moi le jeu. Ça, ils savent faire normalement. Chez Treyarch. Non, chez Treyarch. Call of Duty, en tout cas. Les intros. C'est une arme que nos adversaires peuvent jouer. Que les choses soient bien claires pour tous. Nous, on va voir la 3D. Tous les jeux où tu mets le jeu, tu démarres et tu joues en 10 secondes. En vrai, une fois que c'est installé, ça va vite, hein. Normalement, justement, avec ces nouvelles consoles-là. Hein. Oh, la belle flamme. Eh, c'est Bruce Willis ou quoi à gauche? Juste pour Call of Duty, ouais. Il y a de l'écho, c'est possible qu'il y ait de l'écho, comment ça s'appelle? Que le son des enceintes se répercute dans mon micro parce que ça parle et du coup ils savent que, enfin du coup l'IA elle comprend pas que, voilà. C'est fluide et beau. Ça donnerait presque envie de la garder, hein, mais c'est vrai que comme je joue sur PC, moi, et que j'ai besoin d'oseille, bah je m'en balèque. Bonjour madame. Bonjour messieurs, bonjour madame. Salut toi, t'as l'air content. Très bien. FPS et manette, c'est pas compatible pour moi. On est d'accord. Bon, est-ce qu'on peut casser les bouches, s'il vous plaît? Gimme a weapon. Milano, MP5, allez, AK-74U, il y a un viseur au moins. Ouais, c'est hyper sensible, hein. C'est trop pis. Allez, là. Elle chauffe bien, elle chauffe normalement. Cool. Elle est pas trop bruyante. Là, elle est bruyante parce que le disque tourne. Le manquait, je vais glisser. Pas plus, faudra être rapide. Hein. Faudra juste être rapide. Pour faire quoi? Vous voulez pas vous dépêcher, les gars? Moi, j'aimerais juste tirer sur des gens. Voir un petit peu c'est quoi la PS5, en fait. Voir ce que ça a dans le ventre. Après, je pense que le Spider-Man, il montrait plus. On entend un écho dans le jeu, c'est juste nous. Je pense que c'est avec mon micro. Attends, peut-être pas. En vrai, ça se trouve, c'est avec OBS. C'est quoi, quack? Ah, ça se trouve, c'est avec OBS. Wow, il y a un délai de ouf avec mon setup. Mon setup HDMI de mort. Ou c'est le son qui a un délai? Ouais, je pense que mon setup HDMI, il faudra que je fasse des tests. C'est même pas qu'il y a un écho, c'est que, genre. Ouais, il y a une seconde avant que le son il arrive. Je joue bien, je trouve. Hein. Ouais. Ça fait bizarre ce décalage. Il est où l'autre qui m'a tiré dessus? Personne. Alors, petite douche. Impeccable. Le rideau est même pas amovible.
Nul sur 20. C'est bien qu'à la fin, ils ont la flemme. Et il a fini Miles Morales ou pas? Normalement, maintenant, on peut fermer le jeu, revenir dessus, tout ça, copier en cours encore. Et ben en vrai, bon, vous savez quoi? Au moins, ça montre que le lecteur fonctionne bien. Comment on l'éjecte déjà? Là, bouton supérieur. On enlève ça. On va l'éteindre, on va remettre le capot. Comment on l'éteint déjà? Comme ça. Alimentation. Éteindre la PlayStation 5. Salut, couac-couac. Ok, on va la laisser s'éteindre tranquillou. C'est quand même très rapide. Ouais, les temps de chargement sont rapides. Je vais faire des tests hein, après sur ma télé de la PS5 pour voir si ça. Si ça fonctionne bien. Ok. Ça, c'est cool. On enlève la lime. On va la remettre. Et elle sera prête? Elle sera prête à vendre, à être en vente. Sachez que je pense la mettre cet après-midi en vente. Je vais pas perdre trop de temps. Donc, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, une fois de plus, je ping hein, sur le Discord. Hein. Donc, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, soyez réactifs et ne soyez pas déçus. Mais voilà. Je la remettrai à zéro, bien entendu, parce que son ancien propriétaire a peut-être pas envie de que son compte se promène sur l'interweb. Ça, il faut que je la teste. Et il faut bien lier son compte Discord à Twitch. Hein. Oh, j'ai oublié d'interagir. Eh oui, c'est Eden Fetch. J'avais pile avant la victoire. Je suis une bonne étoile. Allez, on va dire que t'es une bonne étoile. C'est cool. C'est cool. On a bien avancé. On a réussi à la refaire. Et puis, voilà. Et puis voilà. Une bien belle machine. Pour le coup, elle est en plutôt bon état. Il y a que ici, regardez. Ici, il y a des espèces de gouttes, mais qui sont pourtant qui ne s'enlèvent pas. Et la station a l'air chaud, moi. Pour la Wii, alors j'ai regardé la Wii, j'ai commencé à j'ai perdu, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'en gros j'en ai une de Wii qui est en sale état esthétique et qui est jailbreak mais qui veut se mettre à jour. Et l'autre, elle veut lire que les jeux de GameCube et pas les jeux de Wii. Donc j'ai abandonné, elle reste dans les boîtes. Pour l'instant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je m'occupe de choses qui me servent vraiment. C'est-à-dire la PlayStation 5 qui me sert pour l'instant. Donc voilà. Une bien belle machine. Je m'excuse, jeunes gens. Je suis pas en forme. J'y arriverai pas à continuer plus que là. Je peux pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et on se revoit très 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 vite, je l'espère. Je vous tiens au courant. Peut-être. Peut